Yeah, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc de glitch sort of spline 1.39, donc un glitch d'argent illimité. Donc là vous devez avoir un garage de fonction, donc n'importe lequel avec un atelier de customisation. Donc il faudra avoir une Yeli RH8 rétro custom, donc au max, bah, jusqu'à temps que vous pouvez plus custom. Donc après il faudra avoir un garage de fonction tout rempli, donc délégué de préférence. Donc là pour commencer le glitch, il faudra monter dans la LED Retro Custom. Donc là, il faudra sortir votre téléphone. Donc là, vous allez aller sur le logo Internet. Donc là, c'est très important de faire R2 et directement de cliquer sur X. Donc là, ça va mettre sur Internet. Donc là, vous allez faire Start, PlayStation Store. Donc jusqu'à temps que ça vous mette le PlayStation Store indisponible. Donc moi je vous reprends dès que ça m'a fait ça. Voilà, donc une fois que ça vous a mis ce message là, donc il faudra faire rond pour sortir du menu de pause, et ensuite faire triangle, donc spammer triangle, donc pour sortir rapidement du véhicule. Donc là après, là, il faudra se rendre vers le rond bleu. Donc ça, là vous allez sélectionner votre Yeli Retro Custom. Donc là vous allez la remplacer, celle qui est juste à côté. Donc là, comme vous pouvez le voir, bah il y a la Yeli Retro Custom, elle est passée à côté alors que c'est une Yeli normale. Donc là après, il faudra se rendre sur Internet, aller dans Legendary Motorsport ou le Bénis. Là après, il faudra acheter une autre Yeli, hop, donc là commander au garage fonction numéro 1. Donc là, on va remplacer par le 6e. Donc c'est très important, par le 6e. Donc là, oui. Donc là, je vous reprends dès qu'il y a le... Dès que le message sera mis comme quoi ça a été livré. Donc il faudra se rendre directement dans le télé de customisation. Donc moi, je vous reprends juste après. Voilà, donc là, elle n'est pas encore livrée. Donc là, on va attendre. Mais je suis juste à vous remercier parce qu'on est bientôt aux 200 abonnés, donc ça fait super plaisir. Et aussi, donc si vous customisez le véhicule à fond, donc il se vendra 852 000 $, donc ce qui est quand même énorme. Donc je répète juste, donc il faudra avoir un garage délégué RH8 rempli au maximum, donc garage de fonction. Donc après, dès qu'il y a eu le message, on devra se rendre dans l'atelier de customisation. Voilà, donc là on va y aller. Donc, atelier de customisation. Une fois que vous êtes dans l'atelier de customisation, là vous allez retourner dans le garage. Donc moi pour en parler, c'est le 1. Une fois que vous y serez dans votre garage, donc là, comme vous pouvez le voir, donc là c'est transformé en Yeli Retro Custom que j'avais ici. Donc elle est ici, voilà. Donc là, très important, parce que si vous changez pas la plaque, vous pourrez vendre qu'un véhicule tous les 30 heures. Donc là, il faudra aller dans votre atelier de customisation. Donc si vous avez une plaque iFree avec l'application iFree, donc vous le mettez. Bon, moi pour un part, j'en ai une, voilà. Porte-plaque, donc c'est pas ici. Donc je sais pas si aller sur cette sur ce véhicule, il n'y est pas. Donc là après, là où je vais revenir dans votre garage de fonction 1. Donc pour le deuxième, pas besoin d'y changer, voilà. Donc si vous voulez refaire la duplication en illimité, donc il faudra refaire le glitch jusqu'au début, donc jusqu'à temps que vous avez tous les véhicules que vous avez dupliqué. Et donc là, j'espère que le glitch d'argent illimité vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager un maximum. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de glitch. Bye.